Bonjour ou rebonjour à tous. Enfin, j'espère que c'est rebonjour et que vous venez de, ma précédente vidéo, le test sur la PS Vita. Et donc, vu que la précédente vidéo commence à faire un peu longue, autant faire une nouvelle. Donc, si vous venez de cette précédente vidéo, vous savez qu'on va tester Uncharted Golden Abyss, le monstre de lancement de la console. Sûrement le plus gros blockbuster, enfin, pour moi, c'est le jeu à voir quand... à la sortie du jeu, à la sortie de la console, mais mieux vaut l'avoir à la sortie du jeu aussi. Donc je l'ai déballé accidentellement, j'ai oublié de filmer le déballage, hein. Je suis désolé, mais bon, je suis comme ça, je suis impatient. J'ai dit tester, non, on va pas tester le jeu, on va juste faire le premier niveau ensemble, parce que j'ai pas encore joué au jeu. Et je sais pas vraiment quoi dire dessus. C'est juste dans la continuité du test sur la console. Donc voici le nouveau format. Le nouveau format des jeux, c'est tout petit, hein. Minuscule. Donc c'est juste pour vous montrer la puissance, la capacité du jeu. Voilà. C'est plus dans la... Non, c'est pas là qu'on met les jeux. C'est dans la continuité du test sur la Vita, c'est pour vous montrer sa capacité graphique. Donc c'est plus pour tester la console que le jeu. Mais vous inquiétez pas, je ferai prochainement... D'accord. Si jamais j'arrive à mettre le jeu dedans, ne vous inquiétez pas, ou inquiétez-vous, enfin, faites ce que vous voulez. Mais rentre-toi, nom de Dieu. Je ferai prochainement une vidéo sur le jeu. Voilà, donc j'ai mis le jeu, installation en cours. Excusez-moi, je... Oui, je maîtrise pas bien le sujet. Et j'ai jamais, voilà, comme preuve, j'ai jamais joué au jeu. Donc voilà, le jeu s'affiche ici. Donc on va cliquer dessus. Et on va lancer Marché Noir. Ah oui, quand même. On va lancer le jeu. Donc après cela, je testerai le jeu plus en détail. Je vous ferai une vraie vidéo du jeu. Une vraie de vraie, avec un niveau que j'aurais choisi. J'espère que ce qu'on raconte sur la Vita est faux. C'est-à-dire les temps de chargement interminables. J'aimerais ne pas vous faire perdre votre temps quand même. Je retiens mon souffle. Ah, la bande son, j'adore cette bande son. Elle est épique, pour moi c'est magistral. Donc le jeu, est-ce que j'en sais, n'est pas développé par Naughty Dog, mais par une autre société de Sony qui, à ce qu'on dit, fait du très bon travail. Donc je suppose qu'on n'a pas d'autre choix que faire une nouvelle partie. De toute façon, j'ai dit que je vous ferai le premier niveau. Non, moi je veux normal. Oui. 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 Donc on va pas jouer en facile. Quitte à mourir, autant mourir comme un homme. Ou essayons de pas mourir du tout. Ça je garantis rien, j'en suis pas très bon non plus. Alors pour jouer, ça va pas être pratique. Alors un, il faut éviter le reflet de... Voilà. Il faut que vous ayez tout l'écran. Attention, je tourne un peu la caméra. Donc, il existe, ce que j'en sais, des moyens pour capturer... capture d'écran. Pour capturer que l'écran de la Vita. Mais vu que le jeu est tactile, je pourrais pas vous montrer mes doigts quand je joue. On m'a dit qu'il y avait eu des coups de feu près de la rivière. C'était rien. Je suis sûr que c'était Drake. Dites à vos hommes d'être plus efficaces ou certains d'entre eux seront plus là quand leur chèque tombera. Oui, donc je disais que... Bon, je veux pas écouter les dialogues, hein. C'est bon, j'ai le droit de parler aussi. D'accord, toucher pour ouvrir le journal de Drake. Ok. Alors, le jeu... Oups, désolé, j'ai décalé. Le jeu est tout simplement magnifique. Vous voyez ? Rien à redire, j'espère que vous voyez tout comme je le vois moi.
Nanana, nanana. Donc là, il existe, nous montre qu'il existe deux types de jouabilité. La première étant les touches classiques. La deuxième étant le tactile. Tactile, ça nous simplifie vraiment la vie. Hein, là, je... Donc là, vous voyez, soit... Ouh là là. Ah non, faut que je descende. Non. Donc là, je pourrais faire le fou et essayer de sauter, mais... Si je touche, je suis sûr de ne pas faire de bêtises. Donc là, je peux aller là. Donc là... Il faut incliner le système PS3 et on saute. Bordel, faut... oh, je suis en train de décaler la... Désolé, hein, je suis en train de décaler la console sans m'en rendre compte. Parce que ma caméra est vraiment très mal située. Donc moi, j'ai une petite préférence pour le joystick, mais... Après, vous faites comme vous voulez. Hein. On peut combiner les deux, hein, hop là. Ah, il est fou ce Drake, il est fou. D'accord, utilise. Bon, bah, moi je vous propose la solution de facilité. Vous voyez, là il y a les rebords. Hop, 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 hop. Il n'y a plus qu'à attendre. Ça facilite vraiment la vie. Hein. Hop. Alors là, niveau escalade, il n'y a aucune difficulté. Enfin, je veux pas dire qu'il y ait des difficultés dans le jeu. Hein. Pour avoir joué au précédent jeu Uncharted, faut dire que les phases d'escalade n'étaient pas non plus très compliquées. Oh, oh méchant bonhomme. Donc là encore, il existe deux possibilités. Soit j'utilise la touche carré pour le faire tomber, la touche classique de combat, soit je touche le bonhomme. Non, le bonhomme, du con. Hop là. Donc, bien sûr, je vais privilégier l'approche tactile. Donc là, toujours. Tactile ou triangle. Allez. Donc là, soit j'appuie ici, soit j'appuie sur l'icône d'arme à droite. On ramasse et on y va. N'importe quoi. Donc là, on nous explique directement toutes les touches, hein, c'est pas plus mal. Là, il y a un méchant bonhomme. On va faire un peu de bourrinage. Ou non, on va y aller tactique. Personnellement, je me sens plus rassuré avec les touches qu'avec le tactile, mais peut-être que ça va changer avec le temps. Oui, je vous montre un peu toutes les possibilités d'approche. D'accord. On peut se mettre à couvert. Je sais pas si vous connaissez les différents jeux Uncharted. Ah, d'accord. On peut viser sans les joysticks. C'est pour ça que le jeu doit perdre un peu... en précision. Je connais pas non plus la touche pour recharger. Hein. Ah mais ça m'énerve de décaler la console comme ça. Comment est-ce qu'on recharge ? Bonhomme, comment est-ce qu'on recharge ? Eh, j'ai peut-être plus de munitions. Comment on recharge ? Ah bah d'accord, c'est comme ça. Hop là, on continue notre escalade. En fait, on va peut-être pas faire tout le premier niveau, hein, comme j'ai dit plus tard, mais... C'était juste histoire de vous montrer la puissance de la console. Si vous voulez vraiment une autre vidéo du jeu plus complète, j'en ferai une vidéo du jeu plus complète, où cette fois-ci, j'arrêterai de décaler cette... De décaler la console. Faut aller par où, là ? On a qu'à toucher un peu partout, il va bien y aller. Voilà.
J'installerai mieux ma caméra cette fois-ci, promis. Ah oui, on peut tirer. Le problème, c'est que on perd en maniabilité quand on tourne la caméra avec la console. Vous verrez plus tard si on peut désactiver cette option, puisque personnellement ça m'intéresse pas trop. Quoique ça peut être pratique. Oups. Les bruitages sont un peu bizarres à mon goût. Ouais, non, pas un peu bizarre. Le pistolet fait vraiment un bruit bizarre. Hein. Ça charge ? Je sais pas comment on recharge. Hein. Ah, flèche du bas. Bah voilà. Bon, bah allez, c'est parti. On va voir s'il peut passer comme ça. Non, bon, ça marche pas trop. C'est marrant parce que enfin, c'est vraiment bien fait, le jeu concilie très bien les deux options. Il est très facile de jouer des deux manières en mélangeant les deux gameplays. Les deux se complètent en fait. On va peut-être descendre. Ah non, on peut faire ça. Je suis vraiment très mal installé. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile de centrer la PSP. Le jeu est vraiment très beau, enfin, vraiment rien à redire, les cinématiques sont très belles. Bon, voilà, je vais pas vous ennuyer plus longtemps, enfin, j'espère que je vous ai pas ennuyé, parce que je sais pas ce que vous feriez là, sinon. Enfin, on va se quitter ici, je vous ai montré le plus gros, je vous ai tout montré en fait, oui, je vous ai montré tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il y avait à savoir. J'en ferai sûrement... au courant de la semaine et même tout au long, toujours des vidéos de jeux sur PS Vita. Je sais pas, à chaque fois qu'ils sortiront une démo, j'aurai qu'à l'essayer. J'essaierai tous les jeux qui me passent par la main, si j'arrive à y voir plusieurs jeux. Parce que la console n'est pas donnée non plus. Oui, bah 300€, c'est pas excessif non plus quand même, faut le dire. Bon, bien. Hop là. Jeu. C'est très rapide et très fluide. On a tout dit. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez suivre mes prochaines vidéos sur les différents jeux PS Vita. Je vous tiens au courant. J'espère faire le plus de vidéos possible pour que ça vous plaise. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. Bah, merci, au revoir. Salut.